Découvrir une presse plieuse à commande numérique. Présentation de la machine. Un bâti. Un coulisseau actionné par deux vérins. Un pupitre de commande et son écran. Des commandes utilisables à la main et au pied. Un tableau de mise en marche avec un jeu d'outils de montée, le poinçon et la matrice ou V. Une pédale sert à faire descendre le coulisseau qui, après une période de descente rapide, poursuit sa course dans une vitesse d'approche plus lente. Si on relâche la pédale dans sa course rapide, le coulisseau remonte au point haut automatiquement. La remontée du coulisseau pendant la course lente se fait uniquement en agissant sur la pédale de gauche. On peut régler l'écartement des butées arrière. Mise en marche et arrêt. Mise sous tension. Interrupteur général, mise en marche des moteurs. Laissons le temps à l'écran de contrôle d'afficher le menu général. Pour arrêter, revenons au menu et, sur cette machine, par commande simultanée, sauvegardons et arrêtons le programme. Avant de couper le général. Changement d'outil. Desserrons les vis de maintien du poinçon. Puis celle du V. Faisons glisser les outils pour les changer. Procédons inversement pour le remontage des outils. Sécurité. Ce type de machine est équipé de protections latérales qui coupent l'alimentation de la machine. Observez le bouton d'arrêt d'urgence à portée de la main, mais aussi la commande de remontée.